Chaque année, le musée régional d'art contemporain Occitanie renouvelle entièrement son exposition de collection pour proposer une nouvelle variation à partir de son fonds, aujourd'hui constitué de plus de 560 œuvres. Les dernières acquisitions sont dévoilées à travers un parcours qui refuse les rapprochements traditionnels et offre un dialogue entre les œuvres d'artistes de générations différentes pour permettre un nouveau regard sur les collections du musée. L'accrochage ne suit pas une chronologie, mais propose des rapprochements formels, stylistiques ou poétiques, avec une diversité de médiums, peinture, dessin, photographie, gravure, vidéo, sculpture, installation, permet de découvrir des artistes phares de la scène contemporaine. Un aller-retour permanent entre le réel et l'imaginaire, entre le monde et sa réinvention poétique, entre un monde parcouru et un monde fantasmé, est proposé aux visiteurs à travers les nouvelles acquisitions. Qu'il s'agisse de la projection d'Anne-Charlotte Finel, qui allie la beauté à l'inquiétante étrangeté, la sérénité à l'anxiété, l'installation de Masaki Nakayama, basée sur des photographies dans lesquelles l'enregistrement du corps devient partie intégrante de l'œuvre, des briques de terre cuite rangées sur des étagères de Nicolas Dauban, objet énigmatique qui offre plusieurs lectures, ou encore le tableau d'Alice Coste, rempli à la fois d'humour et de gravité. Grâce à l'introduction de ces nouvelles œuvres, le musée souhaite favoriser l'émergence d'un nouveau regard sur ses collections, allant au-delà du regard qu'engage une présentation traditionnelle, chronologique ou encore thématique. Des œuvres d'artistes d'époques différentes dialoguent entre elles, Jean Messager et Andrea Böttner. Guillaume Leblond et Comme Ostaert. Ou Daniel Deuzeuse et Farah Atafi. D'autres œuvres ouvrent de nouvelles perspectives, Pierre Bismuth, Marcus Retz, Matt Mullican. Ou d'autres, des interrogations, Oula van Brandenburg, René Lévy, Sylvain Freys, par exemple. Sans donner de réponse, cette nouvelle exposition des collections du Musée Régional d'Art Contemporain Occitanie à Sérignan invite à prendre le temps de regarder le monde d'une autre façon.